Ça fait nous aujourd'hui, hein, c'est autour de littérature haïtienne d'expression créole ou encore littérature haïtienne écrite en créole. N'a précisé que nous avons littérature qui s'écrit en plusieurs langues. Notre littérature s'écrit en créole, notre littérature s'écrit en français, notre littérature s'écrit en anglais, notre littérature s'écrit en espagnol. Cependant, deux formes d'expression de notre littérature les plus connues, c'est bien littérature qui écrit en français et en créole. En français, c'est déjà établi par les critiques pour des raisons que nous connaissons. En créole, certains mondes reconnaissent-les et d'autres font semblant de reconnaître-les. N'a dit que son littérature n'a placé sous trois concepts. N'a dit son littérature qui est réelle, son littérature qui est effective et son littérature qui est mesurable. Trois concepts ça yo, n'a pas expliqué. Littérature réelle, dans la mesure que production œuvre littéraire en créole là, si le travail a été bien fait au niveau de notre éducation, serait été la littérature qui serait la plus lue. Lit effective en ce sens que l'étape touchée un plus grand public et l'étape bien plus effet sous différents mondes. Lit mesurable dans la mesure que si nous remontons le temps dans les archives, nous cherchons dans la bibliothèque, nous apprenons compte que littérature d'expression créole, hein, lui-même précédait littérature haïtienne qui écrit en français. Hein. Mais, nous dit aussi que il y a une raison qui explique ça. Car, depuis notre indépendance, première fois, langue créole là, pour joindre l'aide de noblesse, entre guillemets, c'est la Constitution 29 mars 1987 là, dans l'article 5 là, qui pral dit que yon nan bagay qui mette nous tout ensemble, qui rend nous yon communauté qui, d'aka dit qui homogène, c'est parce que nous tous nous parlons créole. Donc, nous pas qu'à parler de littérature haïtienne d'expression créole sans nous pas contextualiser historiquement toute littérature ça. Nous connaît que à partir de 1804, à partir de l'indépendance, nous avons commencé à parler de littérature haïtienne. Parce que premier écrivain haïtien yo, nous t'a dit c'est des éclaireurs sans boussole. Et pour nous répéter l'expression Berwet Oriol là, yo influencé par les classiques français et des classiques français qui étaient mal digérés d'ailleurs par ces écrivains-là. Donc la première période de notre littérature, techniquement, suivant les dires des historiens de la littérature, a commencé en 1804. Donc, la première période s'étend de 1804 à 1836
Et tous les écrivains qui faisaient partie de cette période-là n'avaient que des faits guerriers comme source d'inspiration. À ce moment-là, il faut citer des écrivains comme Antoine Dupré, des écrivains comme Milsan, comme Chalatte et Dumel. Tout écrivain ça yo, non seulement c'est des faits guerriers qu'il a chanté, mais il a chanté aussi la liberté et l'indépendance à travers chanter yo, à travers poésie yo. Nous parlons d'un deuxième moment dans la littérature haïtienne que nous parlons soi-disant en école romantique ou encore l'école patriotique qui va commencer en 1836-1870. Périodisation en littérature toujours rend moins embarrassé parce que je pense que littérature c'est littérature indépendamment de période que œuvre la produit. Mais nous avons pour obligation pour nous situer historiquement littérature là. Donc dès le départ, c'est une littérature qui fondait sur un problème d'identité. Mais en termes de langue, n'a dit que le premier texte que Moreau de Saint-Rémy dans œuvre célèbre hein, qui en sorte de monographie civile et historique, monsieur Pral parler de un texte que les joignent que les Lisette quittaient la plaine qui écrit en créole. Très probablement, les recherches le diront à ceux qui veulent en faire des recherches. Les recherches diront peut-être un jour qu'il y avait d'autres textes écrits en créole avant l'indépendance nationale. Mais cependant, le texte le plus connu de l'époque a été Lisette en plaine qui était écrit par Duvivier de la Mahoutière. C'est d'ailleurs très tard, nous prenons au courant du texte. Mais texte qui pratiquement plus célèbre comme premier texte écrit en créole dans la littérature haïtienne, c'est bien Choukoun d'Ozal Durand qui écrit en 1883. Aussi bien, plus tard, nous en parlerons, Desafi, considéré comme le premier roman haïtien écrit en créole. Mais avant Desafi, il y avait 10 ans avant la parution de Desafi en 1975, un autre roman a été écrit en créole en 1965, qui a pour titre Tijac. Mais très peu connu, parce que l'œuvre a été rééditée une seule fois en 1970. Donc 5 ans avant la parution du premier roman créole de Franck Étienne, Tijac était déjà sur le marché. Mais très peu ont fait la connaissance de ce petit livre. Mais en fait, Desafi peut-être éclatant comme œuvre, il peut-être plus sérieux et esthétiquement. Desafi peut-être une œuvre qui est plus importante que Tijac, mais si n'a situé historiquement ou encore si n'a répertorié de façon chronologique œuvre qui paraît à œuvre qui va paraître, n'a dit que Tijac précédait Desafi de Franck Étienne. N'a pas retourné sur sa pile devant en attendant en fonti campé pour nous continuer tandé Choukoun. Maman, li, you tigre, mon raisonnette. Si
Jean nous tap di li, premier écrivain haïtien yo qui nan période sa nous dit qui entre 1836 et 1870 yo, écrivain sa yo yo complètement influencé par les romantiques français et à juste titre. Nous parler à ce moment-là des frères No, nous parler de frères et cousins Céline yo, nous parler des frères Ardouin, nous parler des frères L'Espinasse et nous parler des frères Beauvais dans la période là. Ça nous constater c'est que différents écrivains ça yo, ou encore premier écrivain ça yo, ils ont leur mérite parce que yo préoccupé par une langue littéraire. Depuis là ça, yo commencé parler d'une littérature nationale, d'une littérature qui est authentique. Maintenant, comment dégager cette authenticité à travers cette littérature. Gagnons une plaisanterie et une si belle plaisanterie qui disait une fois, si la France avait besoin de notre littérature, elle n'aurait à faire aucun effort. À force que littérature noire semblait avec littérature la France là, tout au moins de cette époque. Gagnon souci la ka écrivain sa yo pour yo rendre littérature là non seulement nationale au point de vue écriture là proprement parler, mais ça k'ap dégager dans œuvre yo. C'est un souci de produire une littérature nationale excepté. Et nous l'avions compris, et même très tard dans notre littérature, des écrivains importants comme Jacques Roumain, comme Calboire, qui font partie de cette école que nous avons parlé de lui-même plus tard, qui est l'école indigéniste, mais nous même pas fait un effort d'écrire en créole. Donc, est-ce que c'est incapable de le faire? Est-ce que tu gagne de l'autre raison politique ou de raison sociale qui fait ou pas faire, nous laisser ça à l'autre monde pour questionner ça. Parce que véritable souci, nous, c'est un souci qui est purement littéraire. Souci n'est pas un souci idéologique, n'est pas un souci politique et n'est pas situé dans aucun engagement, dans aucune vision du monde non plus. Il est plutôt situé dans une vision esthétique. Donc, ça qui préoccupe nous, c'est d'abord l'écriture. C'est d'abord comment l'écrivain l'a fait. Comment l'écrivain a exprimé, c'est ça qui intéresse nous. Donc, nous laisser aux historiens, aux idéologues, de réfléchir sur cet aspect de la littérature. Donc, on va continuer pendant nous prenons. Ensemble avec vous, prends plaisir pour nous donner Lisette qui était la plaine avec la voix de Jean-Bernard Serin, un baryton qui a pu interpréter Lisette qui était la plaine. Perdi bonheur à mouille, y a moins semblé.
Moment qui pral important aussi dans la littérature haïtienne, non? C'est période 1870 là, à période 1898 là. Oswald Durand, et on notit rapidement 1840-1906, et M. Pral mourit, M. Pral écrit Choukoun 1883, sont mis en prison. Gen de l'autre écrivain de même génération, en effet, nous gen Massion Kouakou dans même génération, nous gen Louis-Joseph Janvier, Massion Kouakou qui a été assassiné, comme on sait, nous avons Louis-Joseph Janvier, Hannibal Price et Anthénor Firmin, qui lui-même est essayiste, qui n'est pas poète. Et nous prenons un autre moment en la génération, ça a créé les générations de la ronde là, côté nous prenons Edmond Laforêt, nous prenons Charles Moravia. Il y a eu aussi Dantès Bellegarde, Ida Faubert et ensuite les romanciers. Et immédiatement, il faut faire allusion à Frédéric Marcelin, Justin Lérisson, Fernand Hibert et Antoine Innocent, qui sont les romanciers réalistes de l'époque. Donc, écrivain ça yo, yo pral écrit yon langue nous dit qui tropicalisé. Yon langue qui tropicalisé car à travers texte sa yo nous pral jwenn couleur locale là li tellement important finalement c'est une littérature qui pral annoncer ouvertement l'école indigéniste et l'école indigéniste li pral placer sous couleur de retourner à nos origines retourner à notre folklore retourner à nos chants retourner à nos mœurs. Donc, il y a un souci de produire en littérature nationale, excepté que le problème langue n'a pas posé, parce que la situation sociolinguistique qui prévalait à l'époque
ne donnait pas la chance à ces écrivains-là, probablement. Nous sommes capables de dire que c'est une justification que nous avons fait de l'écrivain, mais il est nécessaire de chercher une raison ou des raisons pour lesquelles ces écrivains-là n'ont rien produit en créole. Nous gagnons à l'exception de Georges Sylvain, qui écrit Cri-Crac, et connaît que Cri-Crac, c'est quand même une adaptation des fables de La Fontaine. Donc, il a fallu attendre les années 50, les années 1950, pour voir arriver ce texte novateur, qui est le texte de Félix Maurice Leroy, Diacoute, publié en 1953. Recueil dans lequel gagne 13 poèmes la donne. Et 13 poèmes, ça, il pral annoncer une certaine modernité, puisque, en fait, Félix Maurice Leroy pral prend ça très au sérieux pour lui produire du texte en créole. Et c'est pas seulement Diacoute, monsieur pral fait une adaptation de Antigone de Sophocle en créole. Et c'est un défi, monsieur, de relever à travers une conversation que le gars avec un groupe d'amis qui dit est-ce que le possible pour produire un sérieux en créole et puis décider pour lui adapter Antigone en créole. Je pense que c'est un moment important dans la littérature haïtienne d'expression créole à partir de 1950. Et de là, on peut rejoindre ensemble d'autres écrivains qui peuvent produire une série de textes en créole. 1950-1958, bien que il y a un silence dans la littérature ça. Pendant un bon temps, avant jeune de œuvre qui écrit en créole toujours. Mais à partir des années 70, tout allait changer. Et nous y reviendrons sur cette question. Ou sorti boss machin, ou passé riel piquant, ou rivé sous champ de masse. Moi, campé à des salines, t'as croisé ou l'audience, chez ou mini passé. Moi, gardé ou gardé, moi, souris ou souris. Et en fait, j'en moins insisté dili préalablement. Je crois que gagné sanrelé yon explosion de l'expression écrite du créole en Haïti à partir des années 70 et des années 80. Parce que recueil Rasoul Labuchin, Trois colliers Maldior qui publié d'abord en 1962 et pour prendre Clou Gagit que Castrap a écrit en 65.
Dominique Batraville pour l'écrit Boule Pic en 78. Ça veut dire que toute période là annoncé en quantité et travail qui pral fait que Ndakadi et c'est l'âge d'or et littérature et ouais, poésie créole là. Travail Lionel Pouillot, fait Pierre-Richard Narcisse qui lui-même qui est un homme de théâtre important. Il fait une pièce théâtre créée l'autre bois Grand Rivière qui était mis en scène par Hervé Denis en 1989. C'était un moment qui est extrêmement important tout parce que après le départ du Valier, ou comme j'ai l'impression dans Libération parole là tout un souci pour mon produit. Donc en littérature d'expression créole là encore une fois j'en nous dit nous gagnons une quantité poètes un peu partout qui a publié et à l'étranger comme en Haïti nous gagnons de poètes haïtiens tant que MacDonald Prosper qui était écrit en Fouette Cache Vérité sous tambour en 83 nous gagnons Michel-Ange Hippolyte qui pral écrit en Balakaï avec Zile nous et en Balakaï que le publie en 1984 et puis il pral écrit Zile nous que le publié en 1995 nous gagnons plusieurs poètes nous gagnons Bob Lapierre et qui a publié Mal fini bien fini nous gagnons très certainement il faut noter Emmanuel Eugène qui écrit et Ziltique que le publie en 1988 son série de textes importants dans la littérature haïtienne d'expression créole là. Mais cependant, ce qui est malheureux, c'est que texte n'a pas arrivé publié avec des éditions très larges qui fait retrouver dans le même monde. Et en même temps, on a profité de rendre hommage à Jean-Claude Bajeux. Et Jean-Claude Bajeux, très souvent connu comme le politicien, celui qui a tant battu pour les droits de l'homme. Mais Jean-Claude Bajeux a été un écrivain d'une extrême sensibilité. Et c'est peut-être en première anthologie de poésie créole que je jeune qui sorti en 1999 pratiquement. Et bien que moi j'ai une certaine distance avec anthologie ça, parce que anthologie en non seulement je publie texte en créole, qui est une anthologie de littérature créole haïtienne, mais parallèlement, je mettais Mousso choisi parole qui écrit en créole haïtien. Et c'est en cours, si les textes écrits en créole, c'est une accusation, c'est comme si les textes qui sont écrits en créole sont des paroles, lui, il les traduit sous forme d'écriture. Donc, est-ce que c'est pertinence l'idée de l'oralité hein, qui dans l'esprit monsieur pendant tu fait travail ça pour une interrogation puis devant peut-être n'a pas fait de l'autre analyse sur question ça nous gagnons l'autre anthologie de poésie qui réunit environ 102 poètes que Rodney Saint-Éloi et avec Claude Pierre et Lionel Trouillot publié au début année 2000 c'est deux ouvrages importants. Nous pas qu'à oublier l'ouvrage bibliographique de Max Bissette aussi, qui ont un travail qui est très important, parce que le travail bibliographique, ça allait rassembler un ensemble texte et français comme créole, mais particulièrement texte créole, que nous sommes capables de joindre dans l'autre façon. Il y a plusieurs poètes et écrivains haïtiens d'expression créole. Il y a lieu de citer le nom de Michel Wolfe Trouillot, qui écrit Tizife Boulé sur l'histoire d'Haïti. C'est un livre qui est extrêmement important, qui est écrit en créole. Et comme nous connaissons dans le développement de langue, il y a un effort qui fait. Nous jouons que la première Bible écrit en créole, qui traduit en créole, lancée en 1985. Et dans le même moment, ça a tout. Nous gagnons un journal Bonne Nouvelle qui était déjà sur le marché. Là. Cap essayer faire vulgarisation langue tout. Donc littérature haïtienne d'expression créole là c'est pas même s'il exclut dans l'esprit certains monde pour deux raisons que nous pas connaître mais c'est une littérature qui est important et ça qui nous invite jeunes ou bien quel que soit monde là quel que soit lecteur là
retourner sur œuvre ça ou peut-être n'a retrouver l'authenticité de l'œuvre haïtienne. Et pour monde qui pas intéressé dans les français ou capable lire littérature ça tout parce que son littérature qui est extrêmement importante côté sensibilité en plus sensibilité dégagée la donne. Au point de vue esthétique, c'est une littérature qui d'une valeur inestimable parce que nous avons deux poètes qui très sérieux, nous avons Jacques Louverture qui était écrit pour Ziguédé et son recueil et son très beau texte en 1985. Donc nous avons de monde qui est important. Nous pas qu'à oublier et nous pas qu'à oublier homme de théâtre Fritz Dossou qui écrit Patasouel en 87. Donc il y a un travail qui est tellement fait, qui est important dans la littérature d'expression créole. Là. Et, ou comme il y a l'impression qu'il y a des gens qui disent, si la littérature là écrit en créole, moi je ne peux pas appeler. Alors que, même si vous consacrez toute existence à lire seulement la littérature d'expression créole, vous ne pouvez pas finir tout le texte. Vous ne pouvez pas finir le travail tout le texte. Yo. Donc, intervention aujourd'hui, hein, c'est justement pour me dire que gagne l'autre versant dans la littérature là nous doit explorer partager quelques réflexions ou encore moins j'ai dit gagne cerveau nous pour monde qui connaît de ça n'a parlé déjà yo qui déjà découvert œuvre ça yo capable même à faire recherche par chercher gagne texte ça yo pour capable au moins familiariser avec littérature ça parce que son littérature qui est important littérature d'expression créole là. Nous avons deux poètes qui sont très importants, nous avons deux romanciers, nous avons deux écrivains. Parce qu'à l'heure, il y a plus de 50 romans qui sont écrits en créole déjà. Dans la minute, je vais parler avec nous là. Et 50, plus que 50 romans, n'en parlons pas de recueil de poésie, parce que dès le début, qui fois écrivain qui a produit dans l'anglais, c'était poésie qui était fait. Il y a une nouvelle, il y a un monde qui fait du travail qui est très important. On ne peut pas qu'être l'autre monde, faire un pile travail. Donc, moi invite nous pour nous découvrir la littérature haïtienne d'expression créole. Là. Donc, en prochaine conversation, nous, là, autour de un livre de Rodney Saint-Éloi qui est publié aux éditions Mémoire et Les racistes n'ont jamais vu la mer, ce sera pour la semaine prochaine. Donc, moi dis nous merci. Donc, nous pouvons dialoguer encore. Kembela. Gagner l'espoir.